J'ai un style graphique qui est légèrement caricatural. Un réalisme caricatural. C'est quelque part entre Gaston Lagaffe et Tintin. Un mix des deux. Ça se comprend bien en Belgique. Et c'est là-dedans que j'ai grandi d'abord. Dans un premier temps, j'ai revisité nos photos de famille quand nous étions enfants pour voir un peu comment j'allais nous dessiner chacun. Mais on n'a pas assez de photos de famille pour que je puisse nous dessiner à tous les âges et sous tous les angles. Et à un moment donné, j'ai décidé de dessiner tout le monde tel que je nous ressentais et pas tel que nous étions réellement. Parce que finalement, ça n'a aucune importance. Est-ce que j'avais vraiment un nez comme ça? Est-ce que j'avais vraiment 5 ou 6 taches de rousseur sur la joue gauche? Tout ça n'a aucune importance. Ce qui était important, c'est que je me sente libre de me dessiner sans dépendre de références. Et finalement, quand je me vois dessiner dans le livre et dans le film, je sens que c'est tout à fait moi. Qu'est-ce qu'il fait? Pousse-toi, t'es trop bête! Qu'est-ce qu'ils nous cachaient? Le fait qu'il y ait beaucoup d'espace et de moments de transmission entre lui et moi sur la caricature, c'est tout à fait le reflet de la réalité. C'est presque comme ça que ça s'est passé. Et finalement, dans la scène, la dernière scène du film, quand je vais avec lui à Auschwitz en train et qu'il feuillette mon carnet de croquis et qu'il voit une caricature où je me moque un peu de lui, où je dessine avec toutes ses médailles, il me demande en riant « C'est comme ça que tu me vois ?» Et je dis oui et on rigole tous les deux. Alors là, c'est le moment le plus, pour moi le plus émouvant du film. Parce que c'est vraiment comment est-ce qu'on parvient à cette sublimation par la création et à cette communication par l'humour. Ça, c'est aussi une leçon. Que même ça, il accepte. Que même que je me moque de lui, parce qu'il sait que derrière cette moquerie, il y a d'abord un amour incommensurable. Un amour filial qui n'a pas de limite. Mais en même temps, un regard critique. Et c'est comme ça que je fais mes dessins de presse aussi.